va commencer tout de suite du coup cette présentation de la simulation de dialogue d'esprit qui permet donc de mettre en contexte des apprenants dans le cadre d'une simulation de dialogue, un vrai entretien en situation réelle, comme s'ils parlaient vraiment avec un personnage tout en restant donc dans le module e-learning et puis en s'entraînant de façon ludique avec, avec un personnage qui va interagir avec eux, qui va prendre différentes tournures de dialogue en fonction du choix que l'apprenant va réaliser. Donc la simulation de dialogue permet à l'apprenant de s'exercer, d'être moins stressé ensuite dans une situation réelle. Et puis donc ces réponses n'ont pas un impact vraiment sur l'entreprise puisque tout est fictif. Donc ça permet voilà, de gagner un peu de confiance et avoir un discours ensuite plus fluide dans la réalité. Donc les possibilités de création sont vraiment illimitées. On peut faire un dialogue qui part dans tous les sens, si je puis dire, ou un dialogue qui va vraiment rester très simple. Donc dans cet atelier, on va rester sur un dialogue qui va être assez simple à réaliser avec un personnage. On peut bien sûr inclure divers personnages, différents contextes, etc. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble la simulation une fois qu'elle est terminée. Alors, je vous ouvre ça tout de suite. Donc voici l'écran numéro 4 à réaliser, la simulation de dialogue. Alors, je vais vous mettre le son plus fort pour que vous entendiez. Donc il y a un audio avec cette simulation de dialogue. Pour rendre plus réel un dialogue, c'est quand même assez pertinent de mettre une voix off. Alors par contre, ici, c'est une voix de synthèse que j'ai réalisée grâce à un outil que j'ai trouvé sur Google. Il me semble que c'était un outil de text-to-speech. Où il s'agit d'intégrer donc un texte dans une zone d'un site qui va ensuite nous donner l'audio sous forme de voix de synthèse. Alors voilà, c'est un peu un audio un peu robot, mais progressivement, iSpring est en train d'intégrer les voix de synthèse directement dans l'outil, donc vous n'aurez plus besoin d'aller chercher des voix de synthèse si vous voulez pas les enregistrer vous-même, bien sûr. Donc vous avez dû le voir d'ailleurs dans la gestion de la narration avec Amandine, elle en parlait. Donc là par contre dans le petit module ce sera une petite voix de synthèse mais on va pas la laisser défiler non plus tout le long. Je vous montre juste quelques exemples. Donc là on est dans le cas d'un salarié qui arriverait dans une nouvelle concession automobile, enfin nouveau salarié dans la concession automobile et qui s'entraînerait un petit peu à aborder un client qui arrive dans la concession automobile. Donc ici il a deux choix de réponse, soit il interpelle tout de suite la cliente qui vient d'arriver, soit il attend quelques minutes. Alors personnellement, je sais que quand je vais dans une boutique, j'aime pas forcément être tout de suite agressée quand un vendeur saute sur moi quand j'arrive dans la boutique. Donc je choisis la deuxième réponse, j'attends quelques minutes. J'attends quelques minutes que le client puisse regarder un peu. C'est une bonne décision de votre part de laisser à la cliente le temps de regarder par elle-même dans la salle d'exposition. Elle semble intéressée par le nouveau modèle. Donc là, je sais que j'ai fait le bon choix et j'ai un message de feedback qui me donne un retour voilà, sur le choix que je viens de réaliser. Je peux continuer le dialogue. Et là, j'ai à nouveau deux choix de réponse. Donc je me présente et est-ce que je demande si elle a besoin d'informations ou est-ce que j'attends encore je suis là, mais voilà, j'attends encore. Donc moi, je choisis peut-être la première parce que normalement, il faut quand même agir. Bonjour, je m'appelle Romain. Bienvenue à Carême Mur. Vous avez besoin d'informations? Bonjour. Merci. Oui, je me suis déjà renseignée sur ce modèle. Est-ce possible de faire un essai? Donc là, la cliente, voilà, elle est prête à engager la discussion, à continuer la discussion. Elle me demande si c'est possible de faire un essai. Donc oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Allons voir cela ensemble. Très bien, merci. Donc là, elle est contente. Vous et puis. Donc le dialogue se termine à ce moment-là. Donc on voit que le personnage a changé d'humeur et que donc il y avait différents types de réponses. Donc vous voyez ici il y a un encart de réponses donc pour ce que le personnage vous répond. Au milieu les messages de feedback qui sont une sorte de pause dans le dialogue et vous avez vu à gauche de l'écran il y avait les réponses que l'apprenant choisit. Alors je vais recharger le module pour refaire le dialogue mais en tant que un apprenant, qui choisit les mauvaises réponses. Donc j'interpelle tout de suite la cliente quand elle arrive dans la concession.
Donc là, on me dit que j'ai contacté le client trop tôt, elle n'a pas eu le temps de regarder autour, et que les clients refusent généralement l'assistance d'un vendeur dans ces cas-là. Donc là, tout de suite, le personnage devient perplexe. Non, merci, je regarde juste. Et malheureusement, la discussion tourne court, elle s'arrête là. Donc vous voyez que on peut vraiment définir le dialogue comme on le souhaite. Et donc je vais vous apprendre dans cet atelier à réaliser ce type de simulation de dialogue. Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à activer votre micro, me couper pendant la présentation si vous en avez besoin. Donc vous prenez votre module V0, la diapositive numéro 4 qui vous reste à finir, pour insérer donc votre simulation de dialogue. Donc on se rend dans l'onglet Aspensuit 10 et on clique sur la simulation de dialogue. Donc, nouvelle simulation. Et donc, on arrive sur une interface vide comme ceci, qu'il va falloir bien sûr compléter avec toutes nos scènes. Donc, sur votre guide, vous avez ici un exemple de rendu de l'arborescence finale, une fois qu'on aura créé toutes les scènes du dialogue. Donc, vous voyez, ici, il n'y a plus rien qui se relie, et ici, la scène continue. Donc, pour vous aider à créer toutes ces scènes, je vous ai mis ici tous les textes à intégrer. Alors il vous suffit de les copier et les coller et de suivre ici les petites indications de pictos et d'émotions. Alors les pictos, ce sont pour définir le type de message. Donc quand vous voyez un personnage, c'est quand le personnage en face nous répond. Quand vous voyez une petite bulle, c'est quand il y a un message de feedback. Et quand vous voyez une flèche, c'est une réponse, donc ce que l'apprenant choisit. Alors, vous, quand vous allez créer votre simulation de dialogue de votre côté, si vous voulez créer vous-même de toute pièce votre propre dialogue, vous allez pouvoir, je vous conseille en tout cas de créer d'abord un document Word, par exemple, où vous allez définir votre scénario. Donc ici, le scénario est déjà créé au niveau du texte, il vous suffit juste de le copier, et donc je vous conseille de faire la même chose quand ce sera votre cas. Donc, on commence par la première scène. Je copie mon texte de message. Bienvenue dans la salle d'exposition. Donc, pour avertir l'apprenant qui va commencer un dialogue et mettre en contexte pour savoir ce qui va se passer dans ce dialogue. Donc, je retourne sur ma simulation de dialogue dans Spring et je fais une nouvelle scène. Donc, toute nouvelle scène à gauche. Donc, là, on voit qu'il y a différents endroits où on peut taper du texte. Donc, le discours du personnage. Et les réponses des apprenants, ou alors le message de feedback. Donc ici, c'est la troisième option. Je colle mon texte, et je vais pouvoir ensuite choisir mon personnage. Donc vous avez une bibliothèque qui est déjà intégrée à l'outil, à Spring, automatiquement quand vous souscrivez à une licence, avec vraiment différents personnages, différentes humeurs, différentes postures, et une multitude de d'arrière-plan également. Donc moi j'avais choisi tout simplement ce premier personnage, une simulation assez simple, et cette image de concession automobile avec des voitures en arrière-plan. Donc j'ai choisi mes images, ici je peux choisir l'attitude du personnage, soit joyeux, soit normal, perplexe, triste ou en colère. Donc là, j'ai déjà mis mon texte et mon personnage et mon arrière-plan. Je clique sur fermer, et j'ai déjà ma scène qui est créée. Donc, tout simplement, ensuite, je crée ma nouvelle scène pour la suite de la présentation. Donc ici, c'était les deux réponses que l'apprenant avait comme choix. Donc soit il interpellait tout de suite, ou soit il attendait que le client regarde. Donc pour cela, je rajoute deux réponses, soit la première où il interpelle, soit celle où il attend. Alors vous voyez dans le guide que l'émotion reste normale, donc je ne vais pas apporter de modification, puisque ici elle est normale par défaut. Et comme vous l'avez vu dans la démo que je vous ai montrée du dialogue terminé, le personnage ne changeait pas, on avait choisi de faire un seul personnage dans cette simulation. Donc, j'ai même pas besoin d'aller changer mon personnage, puisque par défaut, iSpring permet que la nouvelle scène
soit identique à la précédente au niveau des images, donc le personnage ainsi que l'arrière-plan. Donc on n'a pas besoin de les changer si ça n'était pas prévu dans la scène. Donc là, vous voyez que j'ai deux encarts, mais si je lance telle quelle la prévisualisation, on verra que on reste sur la première scène et on n'atterrit pas sur la deuxième. Donc pour que les scènes soient reliées entre elles, on va cliquer ici sur le petit picto de lien avec un clic gauche et on le glisse sur la scène 2 pour le relier à la scène 2. Donc là, les scènes vont s'enchaîner entre elles. Donc, j'ai fini ma deuxième scène, je passe à la troisième, où il s'agissait d'un message feedback, où on disait que l'apprenant avait contacté trop tôt le client, il n'avait pas fait le bon choix. Donc, nouvelle scène, ajouter un message, je colle, et une nouvelle fois, je ne définis pas le personnage ni l'arrière-plan, puisque ce sont les mêmes. Ou alors, il y avait l'autre proposition, c'est une bonne décision de votre part de laisser à la cliente le temps. Donc, nouvelle scène, encore un message de feedback. Donc là, automatiquement, vous voyez que j'ai le réflexe de positionner une à gauche, une à droite, puisque si je les superpose, je vais me perdre dans mon dialogue. Là, on sait qu'on arrive au même niveau, mais c'était un choix à réaliser de l'apprenant, donc ça prend deux directions différentes. Donc, je l'interpelle tout de suite, je peux relier au fait qu'on lui réponde qu'il a contacté trop tôt le client, et j'attends quelques minutes que le client ait le temps, donc on lui dit que c'était une bonne décision. Donc on relie les bonnes scènes entre elles. Ensuite, non merci, je regarde juste, avec une humeur perplexe. On se doute que du coup c'est le personnage dans une nouvelle scène qui répond, donc dans le discours du personnage je colle le texte, et qui lui dit que voilà, il n'était pas content. Donc je mets l'humeur perplexe. Le personnage reste toujours le même et le fond également. Mais l'humeur a changé. Donc ça, je relis au côté mauvaise réponse à gauche. Et je relis la 3 à la 5. Ensuite, nouvelle scène. Ou alors on part ici sur le côté droit. Donc je m'appelle Romain, vous avez besoin d'informations. Donc ici c'est l'apprenant qui répond. Ou alors il avait l'autre choix de réponse. Il attendait encore un peu, il restait un peu évadé. Mais dans tous les cas, les deux choix de réponse étaient les bons. Je regarde juste si je vous ai pas perdu. Non, c'est bon. Ensuite, bonjour, merci, oui, je me suis déjà renseignée sur ce modèle, donc là, le personnage répond. Alors, pour l'instant, je les mets un peu dans le désordre, je copie, je colle, et ensuite, je vais faire les liens. Donc, oui, bien sûr, allons voir cela ensemble. Donc là, c'était la réponse à ce que le personnage me disait, donc je retourne sur la réflexion du personnage, et j'ajoute en dessous la réponse, qui s'affichera après que le personnage ait parlé. Ensuite, une nouvelle scène où le personnage nous répond qu'il a déjà trouvé, mais qui demande de faire un essai. Et je réponds aussi, oui bien sûr, allons voir cela ensemble. Donc là, c'était un nouvel embranchement, mais qui restait quand même du côté bonne réponse. Donc là, vous voyez que j'ai bien disposé mes scènes, et puis j'ai juste à les relier. Et enfin, la dernière scène. Très bien, merci. Donc là, c'est le personnage qui nous répond avec une humeur joyeuse. Et on met à la fin un message de feedback qui conclut le dialogue pour lui dire qu'il a fait le bon choix. Et donc, je le rajoute sur la scène finale dans le message feedback. Je n'ai plus qu'à relier mes deux scènes, donc les deux tournures de dialogue étaient les bonnes de toute façon. Et voilà, donc là vous avez l'arborescence qui a déjà été définie.
Donc, vous pouvez cliquer sur les petits plus et moins pour afficher en détail ou non les différentes scènes. Donc, je vais vous montrer une prévisualisation pour voir ce que ça rend. Quand vous avez créé déjà vos scènes comme ça, vous pouvez voir les éventuelles erreurs que vous avez pu créer ou non. Donc là, je vois que c'est bon, l'apprenant il arrive directement sur le message d'introduction. Ensuite, il a les deux choix de réponse. Donc, je vais choisir le mauvais pour voir. On l'a contacté trop tôt. Et le personnage est perplexe. Parfait. Tout fonctionne bien. Et dans le deuxième scénario, super, le personnage est content à la fin, donc voilà, on a les deux bons scénarios, tout est déjà finalisé au niveau de l'arborescence et des scènes, personnages, arrière-plan, etc. Donc, on a suivi le guide jusqu'ici, donc ici je vous avais montré donc, le fait qu'on peut définir identique à la précédente et relier les scènes, et il ne nous reste plus qu'à faire l'importation des voix. Alors, il y a différents types d'importation de voix. Donc, comme je vous le disais, ici, ce sont des voix de synthèse. Vous pouvez tout à fait faire appel à un comédien pour avoir des voix beaucoup plus propres. Enregistrez vous-même vos propres voix avec soit votre micro ou alors avec un matériel plus poussé, avec un zoom, par exemple. Et ensuite, vous pouvez bien sûr intégrer l'audio. Alors, on va retourner dans l'interface dialogue et on a ici une fonction voix. Donc, on arrive dans une autre interface pour inclure des voix, où vous vous rendez compte ici qu'on voit tous les textes qui s'affichent et qui ont un nom de fichier correspondant. Alors, vous avez possibilité donc pour chaque phrase d'aller chercher un par un vos différents audios, ou alors une fonction qui est vraiment pratique qui permet de faire un import de masse. Et pour ce faire, vous allez devoir copier les mêmes noms de fichiers qui sont paramétrés par l'outil et les classer dans votre dossier d'audio de la même façon. De cette façon, l'outil va reconnaître que vous avez mis les mêmes noms de fichiers et va importer automatiquement chaque audio en face de chaque phrase. Donc ici, je vais aller faire importer. Donc, normalement, par défaut, les fichiers sont bien renommés. Alors, si vous avez créé de la même façon que moi, normalement, ça devrait fonctionner. Importation en masse. Voilà, 14 fichiers ont été importés correctement. On voit que tous les audios se sont bien mis en face de chaque phrase, avec le terme, le nom de fichier qui correspondait. Après, vous pouvez toujours ici lire pour bien vérifier que c'était le bon audio. Bonjour, je m'appelle Romain. Voilà, donc c'était le bon audio. On a déjà fini de notre simulation de dialogue, puisqu'on a fait toutes nos scènes. On a déjà mis notre voix grâce à cet import de masse. Il ne reste plus qu'à enregistrer. Donc on peut quitter le mode voix pour revenir à l'arborescence, ou alors enregistrer et retourner au cours pour terminer donc cette partie de simulation de dialogue. Donc vous voyez que le dialogue s'intègre directement dans votre module et qu'il écrase la diapositive 4. Donc voilà, normalement vous avez fini votre module iSpring. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, hein, je suis vraiment disponible pour y répondre. Et quand vous avez fini votre module final, vous allez pouvoir le publier. Alors ça fait pas partie donc du. Je vous ai pas mis les explications dans le guide puisque donc les différents ateliers n'étaient pas dans le même ordre, mais pour publier à la fin, donc, vous allez dans votre bandeau iSpring Suite 10, vous avez le bouton publier, et donc vous avez accès à différents types de publications, pardon. Donc HTML5, c'est pour publier en local sur votre PC. Vous avez iSpring Space, donc quand vous souscrivez à la licence iSpring Suite Max, vous avez iSpring Space qui est directement inclus avec, qui est l'espace en ligne que présentait Jean-François Leclerc ce matin dans la conférence, qui permet donc d'accéder à votre module en ligne, et ensuite vous allez pouvoir
le partager à votre équipe de création, par exemple, votre équipe projet, pour qu'ils puissent le visualiser en ligne. Et ils vont en plus pouvoir ajouter leurs commentaires pour faire de la révision de module, notamment, c'est très pratique. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire des partages de fichiers incessants, des retransferts, etc. Alors, iSpring Learn, ça c'est la plateforme que iSpring commercialise. Par contre, ça n'est pas inclus dans iSpring Sudmax. C'est vraiment une plateforme à part entière. Et généralement, les personnes qui souscrivent à iSpring ont déjà leur propre plateforme. Ou alors prennent une plateforme d'ailleurs chez nous, une plateforme Moodle. Et donc, vous avez bien sûr aussi la publication en SCORM. Pour ceux qui ont déjà une plateforme, vous pouvez publier en SCORM, en API, etc. Pardon, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je sais pas. Une petite question par rapport à cette activité, en fait, la simulation des dialogues. Une fois que je l'exporte en package SCORM pour la plateforme LMS, est-ce que les données de ce type d'activité sont traquées aussi? Et si oui, de quelle manière? Alors oui, elles peuvent être traquées. Alors il faut savoir déjà que la simulation de dialogue peut être publié séparément d'un PowerPoint. Donc là, vous avez vu dans mon exemple que j'avais intégré directement le dialogue dans le PowerPoint pour avoir un module complet avec les interactions, les quiz, etc. Mais on peut publier séparément. Je vais pouvoir vous montrer aussi un exemple de si on publie juste le dialogue. Mais dans ce cas, quand je les upload en format SCORM dans la plateforme des cours, qu'est-ce qui en fait est traqué en fait? Est-ce que, parce qu'il n'y a pas un score réellement de l'activité, c'est juste est-ce que j'ai participé à l'activité ou est-ce qu'il y a un moyen aussi d'intégrer un score? Alors, vous avez la possibilité normalement d'intégrer, il me semble, un score. Alors, je vais essayer de retrouver. Bienvenue dans la salle d'exposition du concessionnaire automobile Carali. Attendez, je vais vous faire un partage d'écran. Donc ici, je me suis rendue, je suis retournée dans ma simulation de dialogue. Oui. Et dans le lecteur ici. On voit que il y a affiché le score à la fin ou non. Ah oui, ok. Donc ici on a aussi dans les propriétés du dialogue un résultat. On peut choisir l'envoyer par mail, etc. Donc le code entre guillemets SCORM qui dit initialized et commencé, pas terminé, en cours, tout ça est pris en compte en fait dans le dialogue. Oui, tout à fait. Mais l'arborescence, elle ne donne pas un résultat de logique. Ce schéma-là, il pèse 30%, ou si on est parti par l'autre schéma, il pèse 60% pour donner une valeur de poids pour les types de schémas différents dans cette dialogue. Alors, vous pouvez aussi, il me semble, ici dans la publication, par exemple, si je vais dans SCORM, personnaliser. Et ici, vous pouvez choisir, en fait, ce qui va remonter ou non. D'accord. Et donc, c'est à vous de choisir dans les propriétés du dialogue quel niveau vous lui donnez par rapport aux autres. D'accord. Ok. Ok, merci. Donc ici, je suis juste allée dans ma simulation de dialogue terminée. Et donc, sans vouloir forcément l'intégrer dans mon PowerPoint, vous voyez ici que j'ai une fonctionnalité de publication pour cette simulation de dialogue séparément. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer par le PowerPoint pour publier votre dialogue.
Donc ça, c'est valable aussi pour les interactions, pour les quiz, pour les livres numériques. Vous pouvez publier tous ces éléments-là séparément sans forcément créer un PowerPoint. Donc ici, oui, je ne vous ai pas montré, mais dans principal, propriété du dialogue, vous avez dialogue évalué, autoriser l'évaluation du dialogue, et puis vous mettez ici le seuil de réussite. Ouais. Oh, ok, merci, c'est vu. Je me permets de vous interpeller, on avait également une question. Et votre collègue Amandine Léon nous avait dit de voir avec vous, car vous auriez peut-être la réponse, oui. Concernant l'intégration de sous-titres dans les vidéos sur iSpring. Apparemment, ce serait possible. Et dans les modules, pas juste les vidéos. Oui, dans les modules également. Alors, dans les modules, ça fonctionne différemment. Je vais vous montrer comment ça peut fonctionner. En fait, c'est une espèce d'alternative qu'on trouve pour intégrer des sous-titres à une vidéo, mais les sous-titres vont pas s'afficher vraiment en même temps que la vidéo. Je vais vous expliquer. Je sais même pas d'ailleurs si j'ai un exemple sur ça, mais on va voir. Alors, ça, c'était un module que j'avais créé pour Sanofi. Voilà, donc là, vous voyez, je suis sur une vidéo. Oui. Et j'ai rajouté un encart en dessous où on peut lire le dialogue de la vidéo. Donc, c'est une alternative. Alors, par contre, ça ne va pas défiler en même temps que la vidéo va avancer. Si on veut vraiment avoir des sous-titres pour une vidéo, il faut les paramétrer vraiment pendant le montage vidéo. D'accord, pas dans iSpring. Alors par contre, cet encart-là, je l'ai fait dans iSpring. D'accord, mais alors si on n'a pas une vidéo, on a juste un module des slides avec des informations animées ou pas, avec un voice-over, un texte voice-over, mais on veut aussi, dans les cas qui c'est dans un salon professionnel et on n'a pas l'audio, on veut avoir le texte affiché en sous-titrage, c'est possible? Alors, est-ce que c'est toujours dans une vidéo? Non, pas nécessairement, c'est dans un slide qui a juste une animation. Alors, quand je dis une animation PowerPoint, des éléments qui s'affichent un après l'autre, par exemple, ou pas d'animation, juste un slide, image, texte. Ok, soit vous avez déjà votre texte qui est intégré tout simplement comme ça, directement sur l'écran. Ou alors, vous avez, comme je vous ai montré ici, l'encart de notes, soit en CC qu'on peut activer ou non. Ou alors, cet encart de notes, vous pouvez tout à fait le mettre aussi sur la barre latérale. Donc, il apparaîtra avec un autre onglet ici à côté du plan. Donc, ça évite de prendre la place sur l'écran et vous avez le texte de sous-titres affiché à droite. Mais comment vous avez activé le CC? Parce que moi, je n'ai pas vu cette option, en fait. Ok, je vais vous montrer ça. Alors en fait, pour activer le CC, vous allez mettre ici vos textes que vous voulez dans les notes, donc dans la zone commentaires de PowerPoint. Ensuite, vous allez dans le lecteur iSpring. Oui. Donc là, je l'ouvre. Et vous avez ici directement dans disposition, fonction, notes. Soit vous choisissez de le mettre en onglet notes ici, comme je vous le disais, où le texte apparaît ici à droite. D'accord. Ou alors, vous choisissez de le mettre en bas dans la barre inférieure avec le bouton CC. D'accord. Donc, la note qui peut être utilisée déjà pour faire le texte voice-over peut être aussi affichée dans l'onglet CC. Tout à fait. D'accord. Et alors, c'est très bien. Et ma dernière question, peut-être pour le moment, c'est est-il possible d'avoir des versions de langue, c'est-à-dire un bouton qui me permet... Une fois le module est en français, une fois il est en anglais. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore totalement déployé, même quasiment pas. Il y a juste, pour l'instant, dans le lecteur ici, pour définir les boutons précédents, suivants, pour les mettre en anglais, français, etc., on peut changer la langue ici.
Par contre, ça ne va pas changer la langue de tous vos contenus, les diapositives. Donc là, le texte, par exemple, si je change en allemand, les boutons vont se mettre en allemand. Par contre, j'aurai pas, mes textes ne vont pas changer, quoi. Oui, ça j'ai compris. Mais si, par exemple, si j'ai dans la zone de notes mon texte en français, et donc j'ai l'option CC, donc je l'affiche le texte en français. Mais si j'ai une copie aussi de même texte en anglais, pour dire à côté des CC, j'ai un bouton qui dit FR ou AN, qui va utiliser le texte dans une autre langue. Ça, aujourd'hui, ça n'existait pas. Non, pour l'instant, ça n'existe pas malheureusement. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qu'iSpring y travaille ou intégrera? Alors, je pense parce qu'au fur et à mesure, ils sont vraiment en train de travailler sur ce mode multilingue. Par contre, ça ne va pas être la priorité parce qu'en fait, leur priorité pour l'instant, c'est de justement pouvoir traduire les contenus d'abord. Mais tout en ayant plusieurs modules différents. En fait, pour l'instant, ils n'ont pas l'idée de faire un module où on peut changer la langue en cours de lecture. En gros, il faudrait plusieurs modules pour chaque langue, mais sauf qu'on n'aurait pas à refaire les textes de chaque module. Pour l'instant, ils sont en train de travailler sur ça, en premier. Mais quand ils travaillent sur ça, ça veut dire que le client, donc nous en l'occurrence, on fabrique les mêmes PowerPoint en anglais, et une fois en anglais, une fois en français, et on publie les deux. Et dans la LMS, d'accord, donc, mais iSpring, ils ne travaillent pas sur quelque chose en particulier là-dessus, si? Justement, ils sont. En fait, ils essayent de rendre ça plus simple. Donc, il y aurait toujours quand même le fait, comme vous dites, que ce serait en deux modules distincts pour deux langues. Par contre, pour le moment, on doit traduire manuellement chaque diapo, chaque texte, chaque élément. Et donc, ils sont en train de vouloir réduire le temps de production par rapport à ça pour que les textes se changent automatiquement dans le système. D'accord. Donc, pour que faire un intérieur de. D'accord. Donc, pour faire à l'intérieur de PowerPoint, ou l'onglet iSpring dans PowerPoint, un bouton qui dit « Traduis-moi le texte ». Oui, voilà. D'accord. Ok, je comprends. En gros. Okay, merci. Pour l'instant, ils l'ont intégré un petit peu. Tania Côté d'iSpring nous en parlait ce matin un petit peu. Elle parlait du mode XLIF, qui était une des dernières nouveautés. Oui. Ça a été intégré, je crois, que dans un élément. Je crois que c'est dans le quiz. Je ne sais plus exactement. Mais mais les X8, c'est un mode de sous-titrage, en fait, qui choisit la langue différente. Oui, aussi. Enfin, ça fait les deux. En fait, le X8, ça permet vraiment la traduction, que ce soit… Ça permet plusieurs types de choses. En tout cas, eux, ils l'ont intégré en X8 pour l'instant pour faire la traduction. D'accord, oui, c'est le langage. C'est après, ils font une appli X8 pour traduire. Oui. Voilà. En cours. Bon, alors si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On a encore quelques petites minutes et après à 45, il faut qu'on soit dans la salle plénière pour la visualisation des trois modules qui ont été présélectionnés pour le challenge. Donc, vous allez voter en tant que participant pour celui que vous préférez pour permettre à cette personne donc, de gagner une licence iSpring. Et vous-même, en tant que participant des ateliers de toute la journée, vous allez ensuite avoir un tirage au sort pour savoir qui aura gagné la licence iSpring. Bonjour. J'aimerais savoir si on pourra revisionner ces ateliers. Alors, en tout cas, pour ma part, j'ai enregistré celui-ci. J'espère que mes collègues aussi. S'ils l'ont fait, en tout cas, oui, vous allez pouvoir les revisualiser. D'accord, si vous nous en faites la demande, il faudrait nous envoyer un mail, par contre, parce qu'on ne va pas les mettre en ligne directement. D'accord. Ok, merci beaucoup. J'aimerais poser encore une question. Donc, c'est un petit peu… ça concerne une formation, une session d'avant. Il y a la partie éléments interactifs, où je ne me souviens plus comment ça s'appelle, le bouton qui permet… Oui, interaction. Dans l'interaction, on a la possibilité d'avoir plusieurs onglets, entre guillemets, à l'intérieur de la même page, qui permet d'afficher des informations différentes. Alors, soit c'est les écrans qui glissent, il y avait plusieurs options.
Mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que dans ces zones-là, dans ces écrans, on peut intégrer des animations de type PowerPoint, c'est-à-dire un bouton, quelque chose qui devient un bouton qui fait appel à un quiz ou à une autre activité, une autre information? Non, malheureusement, on ne peut pas intégrer une animation propre comme PowerPoint dans les interactions. Par contre, on peut en quelque sorte faire des redirections puisqu'on peut ajouter des liens. Donc les liens hypertextes peuvent renvoyer vers quelque chose d'autre. Mais il peut envoyer sur une autre page dans le module, dans le PowerPoint, qui sera caché de... C'est-à-dire, l'idée est de mettre un pop-up à l'intérieur d'une page d'interaction. Non, on ne pourra pas faire page. Un lien qui renvoie à une autre diapositive, par contre. On ne peut pas. Non. D'accord. Parce que si on met un lien, ça appelle absolument uniquement une page HTML. Oui, c'est ça. On ne peut pas mettre un objet, ce qui est PowerPoint appelle un objet, un fichier Word, autant qu'objet à l'intérieur de la page qui sera appelé. Ce sera téléchargé. Alors, si vous pouvez, alors ce serait un document qui ne serait pas publié en ligne, mais que vous voulez intégrer quand même à une seule diapositive. Oui. Alors, si on peut contourner ça normalement. Alors, attendez, je sais qu'on peut... Bah déjà, en fait, dans le lecteur de navigation... Alors, attendez, je vais vous montrer un exemple. Ce sera plus parlant. Donc, ici, vous voyez que j'ai un onglet ressources. Et donc là, j'appelle des documents externes. Oui, mais... Qui ne sont pas publiés sur une page Internet, mais que j'ai quand même ajouté en tant que ressources avec mon module, avec mon package. Donc, c'est des ressources type un document PDF? Oui, tout à fait. Qui j'ai stocké où, en fait? Sur mon ordi? Oui, voilà, c'est sur votre ordinateur. Et puis, le logiciel, enfin, Spring, ensuite, les intègre en même temps pendant la publication. Et, d'accord. Voilà, c'est avec votre package Spring, mais ça ne peut pas publier sur un site Internet. D'accord. Et les ressources, ils sont liés... Je peux avoir des ressources spécifiques par slide ou c'est les ressources pour tous les slides? Alors ici, c'est les ressources pour tous les slides, celles qui sont mises ici. Oui. Par contre, quand on veut vraiment aller plus loin comme vous, c'est possible de contourner aussi. On a différentes astuces pour... Enfin, une astuce pour faire ce type de choses que j'ai d'ailleurs mis... j'ai fait un article dans le blog à ce sujet. Alors là, on rentre vraiment un peu plus dans les détails. Mais en gros, il faut faire un... Il faut aller sur une diapositive PowerPoint. Oui. Alors là, j'ai pas de diapositive PowerPoint sous la main, mais faire un lien aussi. Hop, faut que je ferme ça. On peut donc ici lui mettre un lien. Insertion lien qui renvoie ici vers une autre page, une autre diapositive. Oui. On peut aussi faire appel à un document sur une page. Alors, j'ai plus en tête vraiment le. Mais je peux vous renvoyer ensuite l'article si vous voulez qui parle. Ah oui, je veux bien. Si vous avez les liens, vous envoyez l'article, ce sera plus simple. Ok, super, super. Alors, par contre, je me rappelle que c'est un vieil article, alors je ne l'ai pas mis à jour. Je crois que les captures d'écran sont un peu floues. Il faudra que je prenne le temps de mettre l'article à jour, mais en tout cas, vous allez quand même pouvoir visualiser comment ça fonctionne. Super, merci beaucoup. De rien. Donc, je vais mettre fin à l'atelier, du coup, puisqu'il faudrait aller dans la salle plénière pour la suite du Spring Day, pour la fin de la journée, et donc la remise des licences à Spring. Donc, je vous dis à tout de suite en plénière. Merci à vous de votre attention, merci de votre participation et de votre implication dans tous ces ateliers. À bientôt.